Là-bas, des ennemis! Feu! Oh zut, j'ai plus de balles! Mais qu'est-ce que c'est, cette lumière? Bonjour, monsieur! Mais qui êtes-vous? Je viens du futur et j'aimerais vous poser quelques questions pour mon exposé sur Verdun en histoire. Mais c'est impossible! Et pourquoi je vous aiderai? Et pourquoi pas? Bon, ne restez pas là, vous êtes même pas armé! Mais si, j'ai toujours une arme sur moi quand je voyage dans le temps! Ah bah c'est merveilleux, je n'avais justement plus de balles! Recule, je vais te protéger! Ah bah zut, j'ai oublié les balles chez moi! Ah bah c'est malin ça! Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle chronique où nous allons parler d'histoire, Histodico. Comme vous l'avez sûrement deviné, nous allons parler en premier de la bataille de Verdun. La bataille de Verdun est une grande bataille de la guerre 14-18, connue pour son nombre de morts incroyable. Elle se déroula en 9 mois et 27 jours. Elle commença le 21 février 1916 et se termina le 18 décembre de la même année. Avec 362 000 soldats français et 337 000 Allemands morts ou disparus, ce fut la bataille qui fit le plus de pertes. Elle se termina par la défaite allemande, avec comme prétexte donné par le général von Falkenhayn que c'était pour saigner à blanc l'armée française. Mais c'était clairement pour cacher sa défaite. Pour plus d'infos sur cette bataille et la guerre 14-18 en général, si vous êtes en 4e-3e, rendez-vous en cours d'histoire. Et pour les autres, Google est votre ami. Salut, c'est Google. Tu m'as appelé? Non, merci. Si tu as besoin de moi, je suis ton ami. Non, merci, ça va, tu peux y aller. Non, je reste car en fait, je n'ai pas d'amis. Bon bah tant pis, hein. C'était Histodico, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et lâcher votre plus beau commentaire. Salut à tous! Salut à tous mes futurs amis.